Bonjour à toutes et à tous. Franchement, je m'attendais pas autant de vues sur la vidéo fabrication de mes rochers de première partie. Allez, sans tarder, je vous fais la suite. On est parti. Dans mon stock de matériel, j'avais des grilles d'aération de transport que j'ai eues avec mes premiers essaims. Oui, je vais vous avouer que lorsque j'ai construit mes premières rochettes, j'ai oublié que les abeilles respiraient. Donc mes grilles ne me serviront pas à leur utilisation d'origine, mais à aérer les planchers de mes rochettes. Donc je mesure et je trace et je peux en faire 4 par grille. La découpe de ces grilles. Pas le choix, obligé d'utiliser le lapidaire. Je cale ma grille avec des serre-joints et c'est parti. Bon, je vous avoue que c'est pas l'outil que je préfère utiliser, mais ça le fait. Vous remarquerez que même mon plan de travail est entouré de chantiers, donc recyclable. Quatre morceaux de la même dimension, ébavurés au lapidaire pour pas que les abeilles se blessent. Bon, quand on n'a pas de tête, on a une visseuse. Dévissage du plancher. Je trace sur mon plancher l'emplacement de ma grille avec quelques centimètres en moins pour que je puisse la fixer. Vous remarquerez qu'il y a toujours autant de vent chez moi. Donc pour découper, je serre, je fixe ma panse au serre-joint, je perce aux quatre angles. Et on est parti pour la scie sauteuse. Donc une fois que le trou est fait, il ne reste plus qu'à fixer la grille d'aération. Et bah tout simplement un coup d'agrafe sur tout le tour. Plancher aéré. On remet le plancher en place en faisant attention au sens et je refixe. Boulette rectifiée. Vous vous rappelez de la palette que j'ai récupéré 4 lattes? Bon, c'est maintenant qu'elle me sert. Je trace la longueur de ma rochette sur cette latte. Je trace et je découpe. Je la fixe. Alors, c'est pour éviter les infiltrations d'air entre les planches de bois, mais également aussi ça va me servir de poignée.
même travail pour faire le côté, hein, forcément. Il faut que je lise une poche sur les vis. Il faut que ça se tienne. Il y a quand même du poids. Je mesure la largeur du devant de ma rechette. Une autre latte de palette. Je mesure. Je découpe. Et ça, ça va me servir d'auvent pour la porte de rechette. Bon, vu que j'ai pas mal de portes blanches de rush 10 cadres un peu cintrées, et ben, rush 10 cadres, moi je fabrique des rushettes 5 cadres, je coupe en deux, et ça me fait deux portes de rushettes. Pour fixer la porte blanche coupée, et ben je mets juste deux petites cales de bois, une à droite, une à gauche, que je fixe avec une vis, tout simplement. Et le tour est joué. Alors ce morceau, c'est juste une cale, peu importe la taille. Là, moi, c'est un morceau de litho, mais il ne me sert que à support, que de support à l'auvent. Petit, il se verra même plus. Il sert juste de cale. Il faut bien placer. Je visse. Et voilà. L'auvent tient. La porte s'enlève bien. La rechette est finie.